Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Alain n'est pas manchot. Le bureau des vérificateurs d'infos. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. En 2012, des scientifiques de l'université de Caroline du Nord aux USA ont pu reconstituer le squelette du plus grand manchot n'ayant jamais existé. Il mesurait plus d'1,50 m et s'appelait le Cairucu grebnifi. Vérifions tout de suite cette info avec notre correspondant Alain Chuipret. Bonjour Alain, où êtes-vous ? Bonjour Pierre-Yves, je suis à Solentet City. Alors Alain, confirmez-vous cette info ? Bien sûr Pierre-Yves, que je confirme. Je peux même vous dire que dans 40 ou 50 ans, on retrouvera une autre espèce de manchot en France, mais on ne le sait pas encore. Il y en a un qui s'appelle le Harakiri sarcoperdon. Un manchot de la politique, facilement reconnaissable, puisqu'il mesure 1,70 m, mais avec des talonnettes. J'aimerais bien sûr voir la gueule des scientifiques quand ils vont découvrir qu'il y avait des nabots en Île-de-France, avec une carte des Républicains tatouée sur le bras droit. Eh bien merci Alain pour la validation de cette info BVI. Bah c'est avec plaisir. Bon, manchot, ça c'est fait. Nabots aussi. Il me reste encore à placer fossoyeur, dégonflé, rat d'égout, illettré. Et ça, ce n'est que la première page. Bon, moi là, avec tout ça, tu vas pouvoir sortir une encyclopédie des noms d'oiseaux. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire.